nous prenons un lotissement de terrain, j'aime d'abord dire tout à l'heure, du côté de Caracol, que nous commençons actuellement là, nous avons près de 162 lots de terre qui nous sont lotissés à employer dans la zone Caracol, qui dit c'est secteur privé, qui dit c'est dans le secteur public là. Terrier rouge, actuellement là, nous construisons 242 cailles que nous avons bâillé, que nous avons pour nous bâillé pendant le commencement de l'année. Nous gagnons au niveau de Titanien, qui est un projet qui est en cours pour nous là. C'est 150 logements que nous gagnons en partenariat avec USAID. Que 150 maisons ça à peine à construire actuellement là, du côté de Titanien. Wanamet, lui-même, toujours avec partenaire nous, qui c'est USAID, nous gagnons 200 maisons que nous avons construit. Mais l'État a fait total ça, il a bâillé 1328 logements. Ah, ou t'as dit pendant la période président, il fait 1328 logements seulement. Est-ce que ça, c'est ça, c'est travail ça, le gouvernement fait seulement? Non, c'est pas travail ça, le gouvernement fait seulement. Faut que moi dis que, à travers la réalisation UCLB, PBM, PAD, du PPLS, et PADF, etc., l'autre partenaire USAID qui est avec nous, nous réaliser pendant la période ça 6000 logements. 6000 logements nous réaliser pendant la période ça. Et nous à environ 70%, 80% pour nous dire que nous commençons à délocaliser tout le monde qui était frappé par catastrophe séisme le 12 janvier 2010. Et l'État, à travers l'administration président Matelia, lui demandé que le PPLS Chita, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale, que nous fait déjà, et sous peu, nous avons pour nous signer ensemble un protocole. Pendant ce temps, on a commencé à 4000 logements pour les professeurs dans le département de l'Ouest. Il y a 1000 logements dans le département du Nord pour les professeurs. Et ensuite, ainsi de suite, on a fait à travers tout le pays pour être capable de gérer tous les professeurs. Dernièrement, là, nous avons fait avec ONA. Donc, côté que le directeur général ONA a été géré.